Salut tout le monde, moi c'est Kalawen. J'ai une chaîne YouTube depuis plus d'un an maintenant. On s'est lancé dans l'aventure avec mon mari, lui au montage, moi à la présentation. On va avoir plusieurs formats, soit justement celui où on va présenter un jeu directement en fond vert, un où on va jouer et un autre où on fait une petite sélection de jeux en fait au moins le mois par rapport à si on a joué avec des enfants ou pas et puis ce qu'on aura sorti vraiment le mois là directement sur la table de jeu. À la base on s'est lancé dans l'aventure parce que c'est une vraie passion et donc on a voulu partager ça et créer une chaîne YouTube. Au début de l'aventure j'étais maman au foyer et mes enfants ont grandi donc du coup j'ai voulu reprendre une activité professionnelle. Avec un petit peu de culot, j'ai postulé dans une boutique de jeux de société. Je pense que la passion aidant, ben, j'ai été prise et je suis maintenant vendeuse en boutique de jeux de société. Alors moi je suis dans le Grand Est et comme vous le savez, c'est la région la plus touchée par le virus. Donc du coup on est extrêmement vigilant et je suis confinée à la maison avec mes enfants et mon mari qui est en télétravail. Nos journées vont être très rythmées parce que nos deux bonhommes ont des devoirs, ont énormément de devoirs parce qu'ils sont suivis par les maîtresses et ça c'est cool, mais du coup ça nous prend énormément de temps. Après les devoirs par contre, on va profiter un maximum d'eux. Alors certes c'est pas des vacances, mais un peu comme parce qu'on est tous les quatre ensemble, donc on profite au maximum ben, de nous, de notre famille. On va faire tout ce qu'on peut pas faire habituellement et si on n'est pas trop crevé, ben, les soirs on essaye de se poser sur des vidéos. Alors confinement oblige, dans la journée on va jouer plutôt à des jeux enfants. Le plus petit va nous demander de sortir du Kraken Attack, du Fabulia ou encore la Vallée des Vikings. Des jeux plus courts comme Kikafé ou Taco Book Cheese Pizza. Par contre le grand lui il profite du temps qu'on a pour demander à découvrir des jeux. Là en l'occurrence le dernier qu'on lui a fait jouer c'est Sanctum. Il avait demandé à jouer à Sanctum. Il veut absolument nous affronter, et mon mari et moi à tour de rôle, sur Mosquito Show. Je crois que c'est son jeu du moment. Et nous, par contre, le soir, eh ben, on fait comme d'habitude, on va jouer tous les deux. On va jouer sur du champ d'honneur qu'on sort quasiment tous les soirs. On va jouer, on va découvrir des jeux là où on a sorti Parks. Et on essaye de découvrir tous les jeux qu'on avait un petit peu en attente ou des jeux qui sont sortis dernièrement. Mon petit conseil du moment, c'est tout ce qui est print and play. Il y a notamment Léandre avec sa collection de 13 jeux qui est disponible. Il y a pas mal d'autres auteurs aussi qui mettent leurs jeux à disposition. Il y a Wilfried et Marie Fort qui ont mis à disposition un print and play pour enfants. Et il y a des éditeurs comme Kif Edition qui a sorti en version imprimable leur jeu Foufoufou. Donc c'est un excellent party game que nous on adore. Et donc du coup on peut le découvrir dans cette version-là. Nous, on avait un projet en cours et en fait, le confinement, ben, il nous l'a mis en pause. Donc, on profite de faire, c'est un documentaire sur les jeux de société, et ben, on profite de faire un petit peu de réécriture ou d'organisation et on a hâte que le confinement soit fini pour pouvoir reprendre les tournages. Pour finir, mon petit conseil aux joueurs, si c'est pas déjà fait, profitez du confinement pour tester tous les jeux que vous n'aviez pas encore découverts, tristement accumulés sur votre pile de lampes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.